Mais qu'est-ce que vous foutez, les enfants? Regarde, tata, les gens qui vont râler parce que le propos de la vidéo est totalement théorique. Tu sais, ceux qui vont venir qui est nul, vous vous êtes plantés du début à la fin sur des théories. Alors que ce ne sont que des théories. Oui, bref, des chiens. Attendez, des théories? Mais c'est pas notre rayon, ça. Attendez un peu. Gus? Oui? Tu veux faire des théories? Bah oui, et... Amy, dans tout ça. Bien fait pour elle. Nous, on met pas 3 ans à trouver la carte d'Arendelle. Et elle n'avait qu'à pas nous attaquer avec son Mickey au rabais. Qu'est-ce que... Non, t'inquiète, Lucette, c'est pas grave, mais Elsa en miniature, ça va marcher. Ouais, comme toutes les dernières vidéos, quoi. Et je mets un gros smiley tant qu'on y est. Bonne idée, ça. Fais ça tout de suite. Ah, fichtre. C'est déposé, ça. Et mon cul, il est déposé? Et coucou, noble paysan, c'est Gus Gus. Laissons tomber les tops pour cette fois et partons dans la théorie. Nous allons essayer de deviner ensemble le scénario de la Reine des Neiges 2 avec les indices dont nous disposons. On commence avec Elsa qui essaye de traverser un océan. Il pourrait s'agir soit d'un entraînement pour apprendre à maîtriser et perfectionner ses pouvoirs, ou peut-être qu'elle serait bêtement coincée sur une île ou un continent et qu'elle cherche un moyen de la traverser. Nous pouvons remarquer que l'automne est mis en avant, ce qui nous laisserait croire que cela ferait presque un an qui séparerait les deux films, et même les courts-métrages qui se déroulent en hiver. Est-ce un vrai automne ou de la magie? Pas celle d'Elsa, mais d'une autre princesse ou personnage. Peut-être elle? Bon oui, on dirait Vaiana, mais dans cette scène, la jeune femme n'a pas vraiment l'air de lancer ce pouvoir. Une magie qui débusque Christophe caché plus loin. Aurait-on donc au moins 2 nouveaux personnages importants? La Vaiana est peut-être pour correspondre à Elsa et Anna, sa sœur, ou même son frère qui aurait le pouvoir de l'automne qui correspondrait au vent, et on peut même voir ce qui s'apparenterait à un feu magique. Un feu magique rouge-rose, ce qui se rapprocherait de la glace d'Elsa qui devient rouge quand elle ne contrôle pas ses émotions et qu'elle part en colère. Et à la fin, il serait en couple avec Elsa, oui! Non, Elsa doit rester seule. Pardon. C'est surtout encore 2 personnages pour faire sortir des produits dérivés. Bref, malgré ce qu'on en dit, Anna est l'héroïne principale de la Reine des Neiges 1. D'après ce que le premier teaser laisse penser, Elsa aurait une place plus importante avec une réelle évolution de son personnage, avec une image de se dépasser soi-même au début du teaser. Pour revenir à la scène de l'océan, on pourrait peut-être se dire qu'elle veut s'entraîner pour affronter la personne qui contrôlerait l'automne, qui, elle, maîtriserait peut-être beaucoup mieux ses pouvoirs, ne s'étant pas bridée comme la Reine des Neiges dans son enfance. Quant à la dernière scène où l'on voit Anna prendre l'épée de Christophe, je pense que la toile s'enflamme et qu'il s'agit simplement d'une scène spécialement faite pour le teaser, comme dans la première annonce de la Reine des Neiges 1. Il faut tenter de survivre à ce blizzard! Ce n'est pas le blizzard! C'est ma sœur! On peut déjà en déduire que ce film sera bien plus épique et sombre et offrira une vraie aventure. Mon avis sur les différents scénarios possibles serait... Une autre personne ne maîtrisant pas son pouvoir a besoin d'Elsa pour l'aider à le contrôler et de réaliser une quête commune contre peut-être un vrai méchant cette fois-ci, et oui, j'ai le droit de rêver. Ou une personne maîtrisant un pouvoir, mais pour faire le mal. La team Arendelle devra l'arrêter. Et vous, quelles sont vos idées? Peut-être le retour de Hans, des informations importantes venant des trolls, ou une Ken pour en apprendre un peu plus sur l'origine des pouvoirs de notre reine? Oui, tout est encore possible, mais pour l'instant, le teaser reste flou. Parlons-en ensemble dans les commentaires. Si ce concept vous intéresse, laissez un pouce bleu et dites-le. À la prochaine, allez, bisous, kiss. Et voilà, une bonne chose de faite. Avez-vous remarqué qu'Olaf n'a pas besoin de son nuage? Cela signifie que... Non, non, mais tu te prends pour qui l'équipe du nain, là? Je t'ai donné du travail. Allez hop, dépêche-toi d'aller au château. Quoi? Encore? Je te préfère vraiment avec cette apparence. Oh, mais tu vas arrêter de... Attends, tu viens de me faire un compliment?